5h du matin, il est l'heure de se réveiller, donc c'est l'heure du suhoor. Donc en général, je prends un petit déjeuner assez simple, j'essaie quand même de faire en sorte que ça soit assez, on va dire, équilibré. Voilà, donc ce matin, céréales avec du lait. Non, pas de café, pas de thé, juste de l'eau. Donc ici à Singapour, le fajr est à environ 5h30 du matin, donc je me réveille 20 minutes avant. Ensuite, je fais ma prière et après, ça dépend de ma motivation. Mais en général, j'essaie de faire juste les invocations du matin. Donc ça, c'est l'application Muslim Pro, je vous en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas trop du fait qu'il y a pas mal de publicité, mais moi, en tout cas, elle me sert quand même. Donc voilà, je fais mes invocations du matin, je me force en tout cas à les faire le matin. Et si j'ai de la motivation, je prie. Non, je prie pas. Je lis le Coran. Si je suis pas motivée, que je suis fatiguée, je fais ça un peu plus tard. Donc en l'occurrence, là j'ai dormi. Ensuite, pour la routine, ben, c'est très simple, hein. C'est vraiment une routine hyper simple, comme d'habitude, qui ne change vraiment pas de ce que je fais habituellement. Donc ça, c'est mon nettoyant du moment. C'est un nettoyant visage que j'avais acheté au Japon et que je trouve super bien. J'en profite pour nettoyer mon visage sous la douche. Donc ça, c'est un produit de chez Centive aussi. J'aime beaucoup leurs produits. Et ensuite, pour le visage, ben écoutez, juste un hydrolat. Donc ça peut être de l'eau de rose et une crème. Je me brosse les dents et voilà, je suis prête. Coucou les filles, donc voilà, c'était ma routine Ramadan. Donc comme je vous disais, en règle générale, ça se passe toujours comme ça. Je me lève 20 minutes avant, donc la prière du Fajr. J'essaie de prendre un petit déjeuner, même si j'ai pas faim du tout, je me force. Et surtout, j'essaie de bien boire. Et ensuite, donc ma prière, je fais mes... comment on appelle ça, les invocations du matin, je les fais automatiquement juste après. Et ensuite, en général, je me rendors, je ne fais pas la lecture du Coran après, je la fais un peu plus tard, puisque quand je me réveille, une fois que les filles ne sont plus à la maison, si vous me suivez sur Snapchat, j'ai un petit peu partagé, je me laisse vraiment un temps où je fais ma lecture tranquillement. Le matin, j'ai besoin de redormir, sinon je n'arrive pas à tenir la journée. Je vous disais, l'objectif, c'est vraiment de vous fixer des objectifs et de vous dégager certains moments dans la journée où vous allez vraiment faire que ce que vous avez à faire. Donc voilà, je vous ferai une vidéo certainement un peu plus tard avec voilà un peu ce que je fais. Je vous en dirai un petit peu plus tard, en tout cas au niveau de mon programme. Sur ce les filles, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore Ramadan, bon Ramadan à tout le monde, bon courage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.